Salut, salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo Halls Audio. Et oui, ça faisait longtemps que je n'avais pas craqué chez Audio, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas été chez Audio. J'avais un petit peu esquivé le magasin parce que j'avais fait une animation avec eux et ça s'était pas non plus passé à merveille, donc j'avais un peu esquivé le magasin. Mais bon, j'y suis retournée parce que j'avais besoin de petites choses pour ma classe et pour les classes de mes collègues. Donc j'ai acheté plein de tasses. Vous savez que j'achète là-bas les tasses basiques blanches pour faire après des petits dessins avec mes élèves ou avec leurs élèves, et en céramique. C'est des tasses en céramique. Et du coup j'ai acheté pour eux aussi des feutres comme ça, de 6 couleurs différentes. Là c'est dans les tons violet, bleu, vert et noir bien sûr. Donc c'est pour mes collègues, j'en ai acheté 3 boîtes. Il faudrait que j'aille en acheter d'autres parce que il n'y avait pas les autres couleurs, genre le rouge, le jaune et tout, il n'y avait plus rien. J'ai acheté beaucoup de tasses mais je vais pas vous les montrer, c'est des tasses basiques hein. Ensuite j'ai craqué pour des petits trucs soldés parce que y avait pas mal de petites soldes pour ce dernier week-end de soldes et je me suis dit pourquoi pas. Donc je voulais vous montrer ce gros bon plan ici, vous reparler de mon magasin quand même. Zoyo, ça reste quand même un de magasins que j'adore. Et puis en papeterie et tout ça, j'adore y trouver des petites merveilles. En beauté aussi, mais là j'ai oublié, j'ai pas du tout été dans le rayon beauté, donc j'ai pas vu les promos beauté. Mais j'ai été dans le rayon tout ce qui est cuisine, chocolat, tout ça, et dans le rayon scrap. Sur mes lèvres, je porte le rouge à lèvres de Lancôme, qui est le Pink Power 378. Et vous savez, c'est les checkers, les matte checkers. Celui-là, c'est une version matte et je trouve trop beau. Il assèche un tout petit peu les lèvres, pourtant c'est en huile, mais il est hyper pigmenté. Parce que j'en avais un version pas matte et il est pas autant pigmenté. Donc voilà, je le trouve trop joli. Et on commence par mon petit craquage. Donc j'ai craqué pour la marque Paper Poetry. Parce que c'est une marque que j'aime beaucoup là-bas et que vous trouvez beaucoup chez Audio et vous trouvez aussi un petit peu chez Cultura maintenant. Donc j'ai craqué pour la marque qui était en promo. D'ailleurs c'était dingue ces promos parce que je vais vous expliquer le truc de malade. Je suis trop triste de pas avoir vu ces promos là avant d'avoir fait mon swap avec Nani. Soit il sera déjà en ligne et je vous mettrai par ici, soit il arrivera très prochainement. Mais c'est un swap planeur, elle m'a envoyé que des trucs, enfin elle m'a offert que des trucs AliExpress. Moi je lui ai offert des trucs de France et de Belgique. Mais si j'avais été chez Audio, là on s'est donné avant le swap donc c'était trop tard. Mais j'aurais trouvé pas mal, je lui ai offert quelques petits trucs de chez Audio. Mais voilà, là il y avait trop de choses trop bien et en promo. Donc j'ai acheté, vous allez vous dire, elle a encore repris un planeur. Oui, j'avais hésité à me le prendre déjà à l'époque où je l'avais vu. 2017-2018, vous allez vous dire, non, 2018, oui. Mais il est sur 17 mois, pardon, il finit en décembre 2018. Donc là, je vais pouvoir l'utiliser toute cette année. J'ai un memory planner où je vais mettre des photos et un peu tout ce qui se passe dans ma vie. Mais je vais pas mettre mes rendez-vous. Et du coup, celui-là, je me suis dit que j'allais faire comme le happy planner que j'avais déjà. Bref, la fille qui a envie de faire plein de trucs. Bref, je vais vous dire le prix, vous allez halluciner. J'ai gardé l'étiquette pour vous montrer. Il y avait l'emballage dessus, voilà. Au lieu de 24,90€ à la base, il était soldé à 10€. Et le jour où j'y suis allée, donc c'est un dimanche, le dernier dimanche, voilà, des soldes, ils ont décidé de faire moins 50% sur les promos déjà. Donc si vous voulez, je l'ai payé 5€. Donc comment vous dire que j'ai pas hésité en fait, 5€, je pouvais pas le laisser quoi. Je me suis dit non, c'est pas possible. Bon, à l'intérieur, voilà, vous avez des pages de cartes comme ça pour chaque mois. Donc vous avez, moi je l'ai utilisé de janvier à... enfin de février plutôt, parce que maintenant on est en février à décembre. Je vais rattraper mon petit retard sur janvier pour écrire un peu. J'aime bien en fait avoir des petits carnets comme ça où je mets un peu, tiens, en janvier qu'est-ce que j'ai fait à telle date, j'ai fait une soirée avec des copines, j'aime bien savoir. Et puis j'ai tendance en ce moment à me perdre dans mes dates parce que j'ai plus d'agenda comme ça comme mon happy planner. Donc dès qu'on me dit oui on t'invite à telle date, à chaque fois je suis là mais qu'est-ce que je fais ce jour-là, je ne sais plus, je suis perdue. Donc voilà, je me suis dit que ça serait bien pour ça. Et puis pour 5€ quoi, au lieu de 24€ quoi, c'est l'affaire du siècle je trouve. Et du coup dans la même marque il y avait des blocs de papier, je les avais repérés depuis très longtemps aussi mais j'avais pas craqué parce que ils étaient 10€, je crois c'était 10€ je pense le bloc. Et là en promo ils étaient à 5€ et comme il y avait moins 50% sur la promo, il n'y a pas l'étiquette jaune heureusement parce que ça aurait pas fait beau, mais en promo du coup c'était à 2,50€. Donc j'en ai pris deux, donc ça m'a fait 5€ les deux au lieu de 20€. Donc quand même une offre de dingue. Alors je vous montre un peu les dessins. C'est que des petites choses avec des licornes, des glaces, des. Vous avez des feuilles fines au départ et les mêmes feuilles. Et les mêmes feuilles après sont en carton. Donc elles sont beaucoup plus épaisses. Avec des petits motifs holographiques, un petit peu, ouais. Alors c'est très rempli, mais bon, je trouve ça trop mignon.
que ce soit pour le planeur ou pour même des pages de scrap, j'ai trouvé trop belles, en noir et blanc, voilà, vous en avez plein. Et celle-ci, c'est les thèmes un peu licorne, etc. Donc je vous montre aussi. Pareil, coloré, moins coloré, vous avez des noires versions noir et blanc. Vous avez quand même pour vous faire plaisir. Avec des petits... Alors ils sont les... en version dorée comme ça. Avec des licornes toujours. Enfin, il y a vraiment plein de petites versions. Je vous montre quand même quelques papiers. Voilà. Bon bref, je les avais repérés depuis longtemps. Et je vous dis, bah, j'ai craqué pour le prix. La grosse promo de dingue. Ensuite, toujours dans le scrap, en promo, bah, j'ai eu ces petites choses-là. Donc, vous voyez bien le prix, 50 centimes. Déjà, ça valait le coup au lieu de 2 euros. Et c'était donc moins 50% sur les 50 centimes. Donc, en fait, les deux m'ont coûté 50 centimes. 25 centimes pièce. C'est des petits ronds comme ça. J'en ai déjà palettes. J'en ai déjà quelques-uns comme ça, quelques planches comme ça chez moi. J'aime bien les utiliser dans le planeur. Parce que voilà, vous les mettez un peu où vous voulez. C'est très mignon. Ensuite, au lieu de 5 euros, là c'était 2 euros, donc 1 euro, puisqu'il y avait moins 50%, mais je me répète, ça valait trop le coup. C'est une offre du siècle. Je trouve que là, Zodio, ils ont fait vraiment l'offre du siècle. Et dedans, vous avez 14 intercalaires. Donc je me suis dit que pour mon grand planeur, j'en ai un de cette taille-là, ça allait être parfait. Et si c'est pas la bonne taille, au cas où je me suis plantée, on ne sait jamais, pour 1 euro, c'est pas grave, je pourrais réutiliser ça, les recouper et les réutiliser en intercalaire, ou même les utiliser en papier, tout simplement. Je vous montre les différents motifs, là, vous avez même des ananas, des petites glaces, des petits cœurs, voilà. Les motifs étaient plutôt sympas, donc pour 1 euro, ça valait le coup. Et pour finir, j'ai craqué en papeterie pour ça qui n'était pas soldé. Ça, c'est la collection actuelle. Et d'ailleurs, je trouve qu'ils ont baissé leur prix parce que ça, j'en avais déjà acheté pas mal chez Zodio. Toujours de chez Paper Poetry, donc des stickers comme ça. Et ça, j'aurais aimé l'offrir à Nani si j'avais su. Mais j'y retournerai en prendre peut-être. Donc, Nani, si tu passes par là, tu me diras si tu en veux. Mais du coup, ça, avant, ça valait 4,50€ à peu près chez Zodio. Et là, je l'ai payé 2,99€. Donc, pourtant, c'était pas en promo. Hein. Je pense qu'ils ont baissé un peu leur prix sur certains trucs. Donc, je vous invite à retourner voir dans votre Zodio. Moi, c'est le Zodio de chez Zenvy. Et après, j'ai craqué en... Ah non, il me reste deux petites choses en scrap. Pour les fêtes de Noël, j'ai repris ça, vous savez, donc c'était 50 centimes pièce, mais donc bah, ça me faisait 25 centimes pièce puisque c'était moins 50%. Et c'est, vous savez, les chiffres de 1 à 24 pour le calendrier de l'Avent. Moi, je me suis dit que j'allais m'en servir soit pour mes prochains calendriers de l'Avent, soit pour mes enfants, quand, vous savez, j'utilise pour leur faire un carnet de vie. Je vous mets même la vidéo, j'en avais fait un pour ma fille où j'avais mis tout le suivi des petites aventures de ma fille de son premier mois au... Ah, c'est 3 ans bientôt, hein. Du coup voilà. Ensuite, j'ai craqué en chocolat. J'ai pris alors ces deux petites tablettes là comme ça, au chocolat. Alors c'est de la marque Cafeta, ça c'était pas soldé, c'est 1,90 pièces. Cafeta, et moi j'ai pris blanc spéculoos pour mon mari, chocolat au lait spéculoos. Et c'est très très bon. Et il y avait une autre marque de chocolat qui était à Zodio, c'est la marque Wes. C'est une marque à Suisse, et d'après ce que j'ai compris, c'est du très très bon chocolat. Il vaut 4,90€ pièce. Et je crois qu'il était donc à moins 50%, donc à 2,90€. Donc ça restait un peu plus raisonnable pour une tablette. Et moins 50% des moins 50%. Donc je pense que j'ai payé 1,50€, je pense, hein, si je me trompe pas. Un truc comme ça. Donc j'ai pris chocolat baiser. Donc c'est chocolat blanc aux fruits rouges. J'ai pris chocolat au lait noisette, lait entier noisette. Et chocolat au lait caramel avec une pointe de sel de Guérande. Moi j'adore, pourquoi ça veut pas faire le zou? Ah voilà, j'adore tout ce qui est avec une pointe de sel, donc je me suis dit que j'allais tester. Pour le prix, ça valait vraiment le coup. Donc voilà mes big promos, je trouve, mes dernières soldes. C'était vraiment la belle affaire. Et du coup, j'étais dégoûtée parce que mon mari m'attendait dans la voiture, donc j'ai pas eu le temps de faire bien le tour du magasin. J'étais dégoûtée parce que je me suis dit, mince, ça se trouve, j'aurais trouvé des super trucs, même dans tout ce qui est déco de maison, dans tout ce qui est beauté et tout. Et j'ai pas eu le temps d'aller dans tous les rayons, donc bon, c'est dommage. Après, j'ai même vu à la caisse une dame qui avait pris une housse de couette, une personne. Elle était en promo à 5 euros, donc moins 50%, vous imaginez, à 2,50€ la housse de couette d'une personne. C'était juste une offre de dingue. Enfin bon, mais bon, ça, je l'avais pas vu, hein. Et puis sinon, je l'aurais pris, je pense, pour ma fille. Mais voilà, ça valait le coup. Alors maintenant, ne cherchez pas, je crois que c'est fini. Mais vous retrouvez quand même en magasin
Il n'y a plus les moins 50% sur les étiquettes orange, mais vous retrouvez quand même, je pense, des produits avec les étiquettes orange. Ça, Zodio en fait régulièrement. Il s'était arrêté dans mon Zodio pendant un moment donné, et puis là, c'est reparti, donc n'hésitez pas à aller voir dans vos Zodio. Voilà pour mon haul, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire comme d'habitude, et je vous fais des énormes bisous, et je vous dis à très très vite. Salut !